écoutez, c'est notre quatrième atelier culinaire sur le thème des gâteries. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un élément qui me tient à cœur, c'est le foie. Le foie, c'est un des ingrédients majeurs dans l'alimentation du chat. Il y en a trois principaux, la viande, l'os et le foie, qui est une excellente source de vitamines et notamment la vitamine A. La vitamine A, c'est une vitamine que le chat ne peut pas la synthétiser lui-même, il ne peut pas non plus la convertir à partir du bêta-carotène, comme nous les humains ou comme même les chiens d'ailleurs. Donc le chat est complètement dépendant de son alimentation concernant la vitamine A, qui va favoriser un bon fonctionnement des yeux, qui va favoriser un bon pelage, une bonne peau, une belle peau aussi. Donc c'est indispensable et c'est pour ça qu'on en met régulièrement dans l'alimentation du chat et qu'on peut en ajouter un petit peu dans les gâteries. Vous avez peut-être entendu aussi qu'on peut faire une overdose de vitamine A, comme pas mal toutes les vitamines d'ailleurs, mais faire une overdose de vitamine A pour un chat, ça voudrait dire nourrir votre chat exclusivement de foie pendant des mois. Donc on en est quand même loin. Il en faut un petit peu tous les jours, un petit peu dans les gâteries en plus. Donc aujourd'hui, on va parler du foie à travers le brownie. Le brownie au foie, vous allez voir, c'est une gâterie favorite de mes chats que je vais vous exposer aujourd'hui. Si vous l'avez vu peut-être dans le calendrier de l'Avent en accéléré, aujourd'hui on va prendre le temps de la faire comme il faut et je vais même vous apprendre à en faire une version beaucoup plus rapide. En fait, on va se concentrer sur le déshydraté, puisque c'est une des meilleures cuissons qu'on puisse faire à basse température. Mais aujourd'hui, on va faire aussi une cuisson beaucoup plus rapide, un petit 10 minutes au four. Alors pour ceux qui se posent la question aussi, faire cuire les aliments, c'est pas bon pour les chats. C'est pas bon pour les chats si on leur donne que de l'alimentation cuite tout le temps, bien qu'il y ait des chats qui ne peuvent pas manger cru avec des conditions de santé amoindries. Mais c'est ça, faire cuire les brownies pendant 10 minutes au four, vous allez voir que ça ne va pas leur faire perdre beaucoup de nutriments. Et on est toujours dans le domaine des gâteries, donc on n'est pas obligé de donner 100% cru tout le temps. On peut faire des petites exceptions. Notamment, je pourrais vous dire qu'il y a des très bonnes croquettes déshydratées ou lyophilisées. C'est des basses températures, c'est très bon aussi. Voilà, donc sans plus tarder, je vais préparer les ingrédients et je vous retrouve tout de suite. Alors les ingrédients, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, 4. Du foie, l'ingrédient majeur. Donc aujourd'hui, des petits foies de poulet, mais ça peut être n'importe quel autre foie que vous avez dans votre frigidaire. Des œufs, des jaunes d'œufs en fait, cuits. Pourquoi ? Parce que le jaune d'œuf, de même que le parmesan, sont d'excellents substituts de la farine. Ça va assécher notre pâte pour pouvoir être capable de la travailler davantage. Et c'est quand même bien meilleur que la farine. Donc le jaune d'œuf cuit, voilà une très bonne astuce. Le parmesan, toujours notre ingrédient aussi chouchou. Là, il y a 8 grammes, c'est l'équivalent de cuillère à soupe. Et le dernier ingrédient, c'est en fait ma base de chapelure. J'ai travaillé là-dessus. Donc, c'est en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est de la viande à fondue chinoise. Donc, on a vraiment les petites tranches toutes fines que j'ai déshydratées et que j'ai pu concasser pour en faire soit des petits morceaux comme un petit peu de bacon qu'on va mettre. En fait, ça va être notre partie croquante du brownie. Hein, au lieu de mettre des noix comme on fait dans un brownie au chocolat, nous, on va mettre du déshydraté. Et puis vous allez voir dans d'autres recettes, vous allez voir passer la recette des nuggets de poulet ou des croquettes de crevettes. La chapelure que je vous propose, ben c'est celle-là, du déshydraté que vous allez concasser tout simplement. Il y a ça ou il y a une autre option dont on parlera un autre jour, qui est la couenne de porc déshydratée aussi séchée, qu'on vend ici en Amérique du Nord sous forme de chips. Alors attention, il y a les chips salés, il y a les chips non salés qu'on va trouver dans les magasins asiatiques. Mais bon, ça va faire l'objet d'une autre rencontre. Voilà nos 4 ingrédients. Pour l'appareillage, on a besoin d'un petit hachoir, un petit robot vraiment tout simple pour mettre notre foie en purée, ce qu'on va faire tout de suite. Et le déshydrateur, si vous n'avez pas de déshydrateur, ça fait très bien l'affaire avec un four conventionnel aussi. Alors, je vous retrouve tout de suite. On va commencer dès que vous avez préparé vos ingrédients. Alors, première étape, on va réduire notre foie en purée. Avec notre robot, hein, on va pas se casser les pieds. Donc l'avantage, c'est qu'on va couper le son pendant que je vais faire du bruit avec le hachoir. Et voilà, étape numéro 1. Quand je vous dis de la purée, c'est quasiment du jus. On va assécher notre foie avec nos jaunes d'œufs d'abord. Hop.
Bon, je voulais faire une économie de vaisselle, tant pis, je me sers de ma cuillère. Les blancs d'œufs, les chats peuvent les manger aussi, hein. Notamment, vous allez voir passer une recette de d'œufs de caille mimosa. Non, mais vous allez en découvrir des choses. Voilà pour les jaunes d'œufs. Et puis, on va commencer par mixer ça, puis on verra ce qu'on rajoute après au niveau du parmesan. Donc, deuxième étape. Voilà, c'est déjà un petit peu plus sec. Et on va rajouter, donc j'ai, je pense qu'on va, on peut mettre tout de suite les deux cuillères à soupe. Hein, j'ai déjà expérimenté avant vous. Voilà, ça reste quand même assez liquide. On va mettre ça dans un bol mélangeur et on va continuer à travailler dans notre bol. Voilà, donc vous voyez que ça reste quand même assez liquide, hein, ce qui va être difficile à travailler. C'est pour ça qu'on va déshydrater un peu. Mais avant, on va rajouter nos petits morceaux secs, donc notre crunchy en fait. Honnêtement, j'y vais au feeling. On va en mettre, allez, deux cuillères. De pincer, on mélange ça et puis on va répartir dans ce que je vous ai pas présenté tout à l'heure, un bac à glaçons en silicone. Alors pourquoi un bac à glaçons en silicone? Ben c'est parce qu'on va pouvoir le placer dans le déshydrateur et puis qu'on, en fait ça va nous permettre de solidifier un petit peu notre consistance là avant de le démouler et de finir la cuisson au déshydrateur sans le bac. En fait, c'est volontaire, hein, voyez, qu'on de laisser la pâte liquide comme ça, c'est parce que on veut pas rajouter trop de parmesan non plus. Ce qu'on veut comme ingrédient principal, c'est le foie. Hop. Voilà. Ce que je vais faire, je vais peut-être pas remplir complètement mes bacs à glaçons. Je vais en garder un petit peu pour vous montrer la cuisson au four. On va faire un parallèle. Voilà. Et ça, là, notre reste, ce que je vais faire, je vais les mettre dans des petits bacs à muffins. Je vais en avoir un là. Voilà, on va faire l'expérience que vous allez voir. Ah, bon, c'est dégueulasse. Et donc voilà, c'est pas la peine de les remplir jusqu'en haut. Ce qu'on va faire, donc, maintenant qu'on a préparé nos ingrédients, nos moules, on va en mettre le moule en silicone, donc, dans le déshydrateur. Alors, ce que je vais faire, je vais le rapprocher de la caméra. Je ne peux pas le filer trop petit, alors je débranche. Voilà. Donc voilà, on va mettre bah, comme toujours la même température, toujours la même durée en fait. On va partir sur 160 degrés Celsius, Fahrenheit, 160 Fahrenheit, 70 Celsius. On va le mettre pour 6 heures et on va l'arrêter au bout d'une heure, une heure et demie, c'est vous qui allez voir, pour être capable de démouler notre petit flamant rose ici et finir la cuisson 100% à l'air, parce que c'est sûr que si vous le laissez dans le bac en silicone, la cuisson va pas être optimale. Donc ça c'est une chose. Et pour nos deux muffins, on va les mettre au four. Je dois avoir une petite plaque qui me reste quelque part. Et puis voilà, on va le mettre au four pour 10 minutes à 350 degrés Fahrenheit, 180 degrés Celsius. Donc on se retrouve après les 10 minutes de cuisson pour voir à quoi ça ressemble. A tout de suite. Bon, alors j'ai déjà vous montré la version Brownie Express, hein, celle qui sort du four, qu'on a refroidi quand même un petit peu avant, parce que si je veux arriver à la faire manger, il faut qu'elle soit à la bonne température. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est un demi-brownie, bien sûr, il n'est pas aussi bien cuit qu'il devrait être, mais voilà, en tout cas il est parfaitement formé.
Ça fait comme une petite terrine aussi, hein. Une terrine donc beaucoup moins cuite. 10 minutes de cuisson. En gros, ce que je pourrais vous dire par rapport à la cuisson, c'est que plus vous allez la faire courte et plus vous allez garder des nutriments, notamment les vitamines qui sont plus fragiles. Bah écoutez, c'est parfait. Alors, j'ai un chat qui traîne par là. On va faire une petite expérience. En même temps, c'est un peu facile, il mange tout lui. Voilà, bah c'est que du foie, que des bonnes choses, forcément, c'est garanti. Donc, je vous retrouve dès qu'on sera capable de démouler nos petits moules dans le déshydrateur. On va les mettre après pour la cuisson finale. Je vous retrouve dans une demi-heure. A tout de suite. Alors, je vous montre au bout d'une heure de déshydratation où on en est. En fait, j'avais fait une bêtise, j'avais mis ça comme vite fait pour la caméra, là. Mais idéalement, il aurait fallu bien lisser nos petits moules. Parce que ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais mis, il y avait du foie un peu partout autour, ça avait collé les moules les uns à côté des autres. Donc là, en voulant les enlever, j'ai enlevé une partie de la petite croûte qui s'était formée sur le dessus. Bon, c'est pas une catastrophe, on est rattrapé. Mais au bout d'une heure, donc vous voyez, si je tire sur mes moules de silicone, on voit que ça se décolle pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va les démouler en les retournant. On va voir si ça fonctionne comme ça. Allez, il en manque un. Voilà. Et on va les mettre à l'envers. Vous voyez, ça y est, c'est déjà quand même pas mal formé. Ça ressemble à des petits flamants roses qui vont pas être si roses que ça. Et on va les remettre. Là, j'ai éteint parce que sinon on s'entendrait pas parler. On va remettre, en fait, on va remettre pour 5 heures et puis on va surveiller, en fait, déjà au bout de 4 heures, voir à quoi ça ressemble. Mais vous voyez, c'est déjà pas mal formé, hein. Je suis assez contente du résultat. Bon, ça fait quand même des gros brownies, hein, pour un chat. Faudra le couper en morceaux, sinon c'est quand même un peu conséquent. Voilà, je remets ça. Donc encore une fois, on met ça sur 160 degrés Celsius, 160 degrés Fahrenheit, 70 degrés Celsius, et on va mettre pour 5 heures. Voilà, à tantôt. Finalement, ça fait 3 heures, et puis je me rends compte que mes brownies sont quand même déjà pas mal beaux. En fait, ils sont bien noirs, bien croûtés, et on va voir tout de suite ce que ça donne à l'intérieur. Si tu veux bien me laisser une petite seconde. Voilà, regardez, hop. En fait, c'est ça, ils sont bien croûtés à l'extérieur, ils sont encore tendres à l'intérieur, à peine cuits. Ça fait comme un espèce de mi-cuit, en fait. Et à mon avis, 3 heures, ça suffit largement. Hein. Y a pas besoin de... Vous pouvez les continuer, bien sûr. Plus vous allez continuer, plus ça va être sec. Mais c'est pas obligatoire. Vous savez que le chat a besoin d'eau dans son alimentation. Donc ça, pour moi, c'est la galactrie parfaite. Que des bons ingrédients... cuit à basse température et ah ben dis donc, tu m'en as déjà volé un. Bon, j'ai un chat qui mange dans un coin, je peux pas lui faire tester. Viens là, Cézanne. En tout cas, je peux vous dire que ça a du succès. Voilà, c'est que des bons ingrédients, donc je disais. Ce que je vous propose, ben, c'est de terminer là-dessus pour aujourd'hui. On va se revoir la semaine prochaine pour la dernière avant Noël. Donc on va faire une belle surprise, une belle recette là sur avec un ingrédient qui est l'œuf, qui est un aliment extrêmement riche pour le chat, très protéiné, très vitaminé, des oméga 3, il n'y a que des bonnes choses dedans. C'est vraiment le complément alimentaire idéal, surtout au niveau de la gâterie. Donc préparez notre dernière rencontre en fait. On va donner un petit air de fête à ce dernier atelier. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis continuez de bien gâter vos chats. On se retrouve mardi prochain. Bye !